Bonsoir à tous, c'est Marc, on se retrouve dans Grandia. Et j'ai changé un peu mes plans. La terre, j'ai donné à Fina, parce que maintenant que Justin a pris le pouvoir de... Comment dire... De Gadwin, qui est donc là, celui-ci. Moi, monter mes points en feu, en terre et en attaque, c'est plutôt facile avec ça. Donc j'ai aucun souci à le faire. Aucun souci, vraiment. D'ailleurs, je peux abuser de ce skill pour grind. Je mets à côté d'un point de sauvegarde, je spam, et ça marche très bien pour monter vos stats. Donc ça, je le ferai. Possible, possible. Mais... Ouais, attendez. Hein ? Ils sont plus là, ils sont partis. Ouais. Juste, Allons voir son bateau, à Gadwin. Mais, oui, Gadwin avait un niveau genre 26 ou 28 à l'épée. Et en passant au niveau de Justin, j'ai gagné que 2 points. Alors que la magie de terre qu'il avait, niveau 14, Fina était niveau C14, donc pareil que moi à l'épée, elle a gagné 4 niveaux. Je n'ai eu que 2. Alors je prends un tiers. Pourquoi? Je ne pige pas. Soit c'est un bug, ou soit... J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, 2 niveaux, je prends quand même. 2 niveaux, rien foutre. Excellent. Bref, alors le bateau de Gadwin. C'est ça là? C'est pourri. Oh, à moins que... Docteur Alma est là. Salut Alma. Point 9. Il est où? Oh, intéressant. C'est vrai. Tu es quelqu'un de juste. Ouais. Bien sûr. C'est vrai. Ce chemin est plutôt délicat et on va comprendre pourquoi c'est difficile. On fera ce qu'on peut. Merci docteur. Merci Sensei. Effectivement, il est beau ce bateau. Allons-y Fina. Hé. Vol! Enfin, navigue! Je sais pas, flotte! Oh? Faut que j'avance, moi? Non, pure coïncidence! À moins que mes doigts soient magiques! Non, je ne pense pas. C'est parti! C'est parti pour traverser la mer de la sirène! Et ce niveau... Je sais, je dis à chaque fois, pourrais vous poser... Quelques petits soucis. Je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. Première fois que j'ai fait le jeu, je suis mort. Donc, faut se méfier. La mer, toujours aussi grande, toujours aussi vaste, toujours aussi bleue. Alors, du moins, celle-ci est bleue. Chez nous, plus vraiment. Très personne qui, on a personne qui, qu'on envoie à la flotte. Non, il y a des cadavres dans la flotte. Il y a des morts dans l'eau. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de pire? Apparemment, les esprits m'apprécient, mais ils me font pas de cadeaux, les enfoirés! Ils ne m'aiment pas, au final. Je devrais pas rester ici, imagine, il y a un requin ketchup! Boum! Il y a qu'un seul lit, pour nous deux! Non, pensons à rien. Ouais, final. Va voir, on sait jamais, faut que c'est pas de noyer, quoi. Où est un point de sauvegarde? On s'en fout, j'ai enregistré avant. Hein? C'est marqué dragon de quoi? Dragon des mers? C'est le nom de la zone. Qu'est-ce qui pilote si je pionce? Oh, Justin, you're awake. Look, everywhere you look, there's nothing but ocean. Not a single island in sight. The moon is so beautiful. See its reflection in the sea sparkling like a diamond? Say, Justin, are you planning on standing there forever? Come sit with me. Pourquoi pas? Allons-y! Charmant. Why are you sitting so far away? Fine, I'll move over there. This is the first time we've been alone together. C'est vrai. What's wrong? Why the silent treatment? Well,
you know. I know. I've been thinking about things here in the night breeze. What? Say, you know what I've been thinking about? Guess, Justin. À quoi elle pourrait penser? C'est pas une cochonne, c'est sûr. Est-ce que je suis si égoïste que ça? Vraiment? Non. Oui. I know. You've been thinking about me. Bien sûr. Justin, he's so manly, so handsome, and such a wonderful person. Guess not, huh? Try again. I know. Well, maybe you weren't entirely wrong. Huh? When I first met you, Justin, we were sailing over the sea. I'm remembering that time. That time? You said I was still a newbie, and you wouldn't even give me the adventurer's greeting. At that time, I never even imagined that I'd go on a journey with you. But you've grown stronger and braver and so trustworthy, Justin. Your place in my heart grows bigger and bigger. Fina? Long ago, when I was still living with my big sister, I was so happy. But the day my sister left, I was all alone. Even now, I sometimes worry. The more I think I'm happy, the more I worry. I worry that everyone will leave me. And that I'll be left all alone again sometime. Justin, do you think we can be together forever? Ooh. Oh, vraiment, je ne suis pas un enfoiré. Et j'y crois aussi, bien sûr. Of course we will. We're gonna have adventures together forever. That makes me so happy. Thank you, Justin. When I'm with you, Justin, I feel so safe and just so happy. It's because I'm with you, Justin. No one else, not even my sister, could take your place. Fina. Say, Justin, do you love me? Les émotions nous engagent sur un chemin compliqué. Est-ce que c'est il aime ou est-ce que c'est il aime? L'un ou l'autre? Je pense qu'il est naïf. Je pense que si je dis ça, il va mettre je t'aime bien comme Sue, comme Gadwin. Peut-être. Je vais voir. Of course I love you. Sue loves you and Gadwin too. We all love you, Fina. Justin, I'm not talking about that kind of love. Huh? Fina, what do you mean? Tu es con. Fina. It must be because of the moonlight. You look different than usual. I mean, well, you look really beautiful. Well, of course, you're always pretty. What am I saying? It's strange. Isn't it odd? I can say things now that I'd normally be too embarrassed to say. Fina. Justin. You're special to me. What was that? That sound? What's wrong? Did something hit us? On a touché un truc. Oh merde! On a appelé une sirène! Poséidon va être vénère. Oh, elle est pas morte!
Merde, qui l'eût cru? Ah, mis les autres, les gars, hein. Oh, oh, a l'air joli. What the... Des pirates? Où ça, les pirates? Oh, shit. Un peu trop près, quand même. La tronche de Fina. J'ai plus rien, c'est elle qui... Je comprends plus que dalle, comment que t'es à moitié à poil? Enfin, pas qu'à moitié. Une île? Ouais, qu'il n'y a pas d'île dans le coin! Pourquoi ces conneries? Maman... J'y crois pas, tu mens! Toutes? Personne trop pour être... On dirait que la sirène était des êtres perfides dans ce jeu. Ne la crois pas, c'est un piège. Oui. Pas mal, Fina, au moins tu... Il faut une femme pour vaincre notre femme. Oui, j'ai compris. Putain, j'ai pas envie. Non. Arrête de se voir comme un naïf. Va te faire la tronche, je suis là. T'es avec elle quelques secondes. Et t'es bien. Merci, mes couilles. Bordel. C'est fait charmer, ce con. Ouais. C'est pas faux. Fous-lui un coup de pied au cul. Ah. Ouais. Tu es charmé, Justin. Étrange pouvoir. Il va foutre à la folle, ce poisson. Tu as piqué mon bateau, j'ai pas confiance. Sauve-nous, hein. Bon, puisqu'on est ici, on n'a pas le choix. Va falloir vaincre la pirate. Qu'est-ce qui se passe? Des indices? Je trouve aussi. C'est bizarre. Ouais, c'est comme un rêve. Ça a du sens, petit fumier, mais... Comment ça, tu... Coup la parole? Dégueulasse. Dragon des mers? Ouh, c'est le nom du bateau! D'accord. Tu as une sœur? Attendez, plusieurs sœurs? Quoi comme tas de choses? On va pas le savoir, il y a des pirates. Les pirates, c'est malsain. Aucune musique? Ouais! Conseil? Allez, par fou, je suis un pro! Enregistrant, j'ai peur. N'oublions pas qu'à présent, nous sommes plus que deux! Le combat va être bien plus dur! Bon, allons voir ce qui se passe. Des grenouilles vertes mutantes! Ok. Des thons aussi! Du saumon, on sait rien. Vous bougez ou pas? Peut-on aller là? Pouvons pas. Alors mourez, vermine! Mourez, tortue ninja! Il y en a deux, là qu'il y en a quatre. Deux. Roi des crapauds! C'est possible! Est-ce que c'est vrai, ça? Oh, les points de vie! Les points de vie sont réels! Essayons ça! Et au cas où, si ça marche pas, brûlons-les! Voyons voir. Ont-ils faible? Niveau de la flotte? Crapaud? Théoriquement, oui. Ah, pas assez des fois, hein. Heureusement, Fina a son fouet qui fait explosion. Donc cette créature-là, je pense que ça sera très efficace. En tout cas, ces monstres sont bien réels, donc c'est pas une illusion, je pense. Vaccin. C'est pour la peste, ça, hein. Oh. Pas la peste à la gueule. J'en veux pas de la peste à la gueule, moi. Parce que je suis déjà, moi. Bateau est par là. Yep.
commence à me perdre en 2 mètres carrés. Je peux aller ici. On peut traverser un petit peu la flotte. Ouais. Évitons ça. Ok. Et du thon sauvage. Rien du tout. Bon. Alors on tape les poissons. Voir ce que c'est. Venez petit salaud. Je le savais. C'est un piège. Subissez mon courroux. Les Magikarp. C'est pas costaud. T'as pour ça à main nue. Hiya! Voilà, on fouette le thon. Dans le Magikarp. Pas que trempette. Oh, bah... Plutôt généreux niveau XP, hein. Pas niveau expérience, niveau compétence, par contre. C'est de la merde, ça. Pas grave. Oh! Une baguette! Graine de défense! Vitalité! Donne-le à Fina, je pense que Justine est suffisamment costaud pour pouvoir encaisser des coups. Méfions-nous. Il y a rien par ici, je crois. Hein. Possible! Quoi qu'il en soit. Y'a rien à ce niveau-là. Ok. Attends les grenouilles. Merci Dieu! Ces grenouilles peuvent infliger la peste. Je sais pas c'est quoi. Et je veux pas le savoir. Je veux me barrer d'ici, moi. Méfions-nous. Les poissons pourraient surgir. Et nous embusquer! Les poissons! Foutons le camp. On veut plus. Les grenouilles pestiférées. Encore d'autres. Ils me veulent. Ils me sentent. Oh. Une fleur sauvage. Antidote. Je connais pas cette merde, c'est quoi? Pourquoi pas? De toute manière, j'ai rien mieux à prendre pour l'instant. Il y a un point de vision ici. Si on nous faut filer pour l'avoir. Ouh, double thune! Ça veut dire aussi embuscade de poisson, non? J'en suis certain d'en avoir un quelque part. Ouvrons l'œil! Et le bon. Non, vraiment! Elle va arriver, à la sang. Oh! Non, c'est moi qui marche dans l'eau. Ok, ici me ramène juste au point de départ, donc... Cette magie. Oh non. Non. Non, je vais pas. Fuyez. C'est un cul-de-sac. Ok, j'en ai plein le cul. Foutre le camp d'ici, moi. C'était par le bas, il me semble. Enfin... On aurait dit. Yeah, par là. Nah, pas le choix. Maintenant que j'y pense, j'ai encore ma hache que j'ai eu depuis Dite. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai quel niveau avec moi? 21, comparé au reste. Ok, bah moi je serai niveau 22 pour ma prochaine compétence. Je le vois d'ici. 22. L'autre est 30. J'ai largement le temps, donc... Ok, j'étais un petit peu curieux quand même de savoir... Où c'était... La Magikarp? Non. Ah, Seigneur Dieu! Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit scout ici. Un peu de thune, il y a une gemme qui est au bout. Et on peut également continuer. Donc, prenons au moins ça. Combien ai-je d'argent, moi? Ok, on peut dépasser 99 999. On ne sait jamais, par contre, dans le jeu, vous êtes bloqué à ce chiffre-là. En l'occurrence, là, non. Par contre, petit poisson, non. Prenons ce magnifique rubis. C'est quoi? Joyeux larme. C'est un consommable? Ok. Et mes 3 PS?
C'est rien du tout. Oh, on se rapproche. Je le sens. Il y a plein de bateaux échoués. Pas pour ça non plus, c'est pas un pirate ça, je pense pas. Où ça mène cet endroit? Ouh, attention. Méfiez-vous des poissons. Là partout. Où est-ce que je suis? Complètement largué dans cette histoire, moi. Il y a encore un point qui est là. Je vais aller sans après cette créature pourrie. Cassez-vous! Oh, puer du fion. On est plein le cul, je vais me tirer d'ici, moi. Une potion. Ouais, ça se met là plutôt long. Oh, truc divin. Pour toi, ça. Vous me faites chier. Vous allez crever comme des merdes. Bon, vous savez quoi? Je pense que ce chemin-là est le bon chemin, parce qu'il est long, très long. Donc, si je trouve la sortie, je vais faire demi-tour pour aller à l'endroit où il y a les épaves de bateau. Peut-être qu'il y a un coffre, un trésor ou un truc utile comme le pain ou les potions pour améliorer vos stats de manière permanente. Oh non, l'embuscade! Ils sont chiants, ces enfoirés me bouffent à mort à ma magie! Le coup physique, c'est intéressant, mais. Fermé ici, hein. Encore un point. Ok, ça pourrait être vers le haut. La boussole indique le bas. Pour quelle foutue raison? Je ne sais pas. Oh, come on! Vraiment! Au moins, je suis ici. Je suis directement pouvoir me régénérer et aller aux épaves. Ça devrait être à moi d'être là, je pense. Tiens, un peu de tunnel ici. Perdu sur la carte. Avec ses cons, bien sûr. Ah! Non, pas ici! Y'a quoi de beau dans le coin? Oh! Je te vois, petite créature à la con, je le savais! Bordel! Tout part en couille! Oh, v'là l'île! On voit la plage très commode! On peut aller par là? Voir ce qui se passe? Non! Ce sont des pirates! Je n'ai pas encore vu, moi! Je vais monter par là. Ben, elles sont là. Où sont les pirates, alors? Courageux. Si vous êtes sœur, vous avez un peu tous la même gueule, quand même. Oui, oui. Un super harem. Hein? Tu parles à boule? Ouais. Ouais. Pas confiance. Bon. Bien sûr. Bien sûr qu'un truc de louche. Non. Tu vois pas. Écoute-la. Bordel. Et elle nous suit encore et toujours. Du corail. Le plus beau de tous les corails. Allons-y. Alors, je vous dis d'avance, dans cette zone, évitez de vous battre. Je vous le dis vraiment. Évitez de vous battre. Les ennemis apparaissent tout le temps. Et vous arriverez ici avec moins d'énergie, moins de puissance. Et vu que ce combat est super tendu, vraiment, je vous le jure, jurez. Ça peut vraiment être tendu. Vraiment. Oh? Comment ça, affamé? J'ai une baguette de pain sur la route! Jamais! C'est un piège! Je le savais! Ouais! Ils viennent même! Oh shit! Alors, ce combat est actuellement très compliqué, je vais vous dire! Pourquoi on découvre ça ensemble? Bien! La baleine bleue, la baleine qui pue et qui va le faire chier pendant au moins 10 putains de minutes! Bien, vous avez son corps,
il a pas. Pour l'instant, je dis rien de plus. On va découvrir à quel point c'est chiant. Bref, ces deux versions sont séparées. Vous pouvez, si vous voulez, flinguer l'appa, ou flinguer son corps. Avec l'appa, à une tonne de vie. Donc moi l'appa, fuck, dépêche le corps. En l'occurrence ici, mid haircut et le fouet de foudre font des dégâts monstrueux dessus. Donc utilisez-les à tout prix. Thoriquement, je galère. Enfin, ça peut être tendu, thoriquement. Il prend cher, ce qui est quand même bon signe. Goot! Goot! Oh shit! C'est dégâts! Vous voyez? Elle a un spell. Qui est attiré. Mais je cancel! C'était pas nécessaire. Le vomi! Pas le vomi! Jamais! Plus assez, hein. Je crois que c'était un objet pour en faire un. Rapidité. Si j'en prends une, 20, ça aura combien? 31, c'est pas assez. Je vais prendre une pile jaune. À moi! Go! Et les pioches vont me filer un petit coup de main! Ça c'est chiant! Elle chope Justin! Obligé! Tout le temps! Justin! Et elle me bouffe! Donc ça c'est une chose! Sauf que Justin, il perd son tour! Oh merde! On a quel goût, saloperie! Ok! Même joueur joue encore! DPS celui-ci! Retardé, inévitable! Mid haircut sur le gros! Il devrait être pas être point de mourir, théoriquement! Let's go, Justin! Venge-toi du vomi! Est-ce que ça va suffire? Pas assez, hein. Combien de points de vie? 30. Lançons un skill rapide. 10 slash devrait terminer. C'est instantané. Boum! Alors là, on dirait que c'est simple. Non, je vous le jure. Vous faites le jeu la première fois pour ce combat. Vous savez pas quoi faire. Vous allez attaquer l'appa. Il est long à tuer. Très long. Tu vois ce manal, Bastien? Elle est là-dedans, donc c'est chiant. Le mec vous attire, vous pouvez rien faire, vous pouvez être chopé tout le temps. Donc Fina, je m'en sors là en tant que soutien pour le heal, et le DPS avec le fouet. Donc moi, je m'en souviens, je sais comment on fait, ces classes sont très puissants, et c'est fini. En l'occurrence, vous arrivez ici, et vous n'êtes pas prêt. Il se passe quoi? Vous mourrez, et vous apparaissez au bateau. Parce que ce point qu'il y a ici, c'est là-bas. Donc avoir toute votre magie au cas où, c'est le meilleur jeu possible pour réussir ce combat. Sinon, vous pouvez galérer. Donc, ouais. J'ai pu également rater de l'or sur l'île. On voit que j'ai raté une herbe, apparemment. Il y a une herbe que j'ai ratée. Et de la thune aussi. Mais je m'en fous. J'ai assez d'argent. Ça suffit largement. Et là, la c'est de l'herbe à la con. Donc, cette île était juste un putain de piège. Donc, oui, dit comme ça, forcément. Dire que c'est dur et que j'arrive en deux coups. Nul. Mais ça peut être très compliqué, vraiment. Non, je suis traumatisé par la femme. Les femmes sont effrayantes. C'est vrai, tu aurais dû. On est deux aussi. C'est gentil. Je sais que je suis spécial. Faut tout lui dire à ce gosse, hein. Bien sûr que si. Oui. N'empêche pas l'autre.
C'est sûr qu'on découvrira ça plus tard. D'accord. Ouais. C'est pour rire. Oh, l'aube se lève. Comme vous pouvez observer, un beau lever de soleil. Terre à l'horizon, la vraie terre. Elle peut me manger. Oui. On la voit bien, la terre. Oh putain. On va pas se croûter dessus au moins, pour y arriver. En une seule pièce, ce bateau est très précieux pour Edwin. S'il se crache, c'est un souvenir, c'est un cadeau. Ne le brisons pas sur des rochers, des récifs, peu importe. Quel succès! Mais putain, il y a aussi des boss qui sont relativement chiants. Est-ce que je galère là-dessus? Je ne pense pas que je connais leur faiblesse, mais vous, c'est possible. Et dans ce cas-là, ce sera normal, parce que le boss... Oh! Ouh! On a fini le premier scénario du jeu, on peut entamer le deuxième qui attend de nouvelles aventures aussi intéressantes que palpitantes. Faut faire quoi maintenant? Sauvegarde! Faut enregistrer! Faisons une sauvegarde commune, tous ensemble, pour le nouveau CD, et on se retrouve directement de suite pour l'aventure. Ça me paraît un bon compromis. Il est long, la sauvegarde, il est long, je vais enchaîner directement, et découvrir de nouvelles choses. Enfin, moi non, mais vous, sûrement. Celle-ci, Colin Fort, non. 23h, 26h de jeu, je m'en fous, on continue aujourd'hui, encore et toujours. Toujours plus loin, toujours plus haut, Justin. Let's go! J'ai compris, faisons-le. Le menu a changé de couleur. Nouvelle partie? Je veux même pas essayer ce que c'est. Oh, Seigneur! Je sais, c'est chiant. Mais maintenant, on voit que ce truc-là, en bas, c'est grisé. Donc maintenant, c'est en blanc. On va pouvoir aller à la forêt vierge de Fina. Non, pas celle-ci. Et au moins, maintenant, vous voyez comment on charge une partie. C'est incroyable, hein. Incroyable. What the... tu mens. On l'a vu plusieurs fois. C'est un grand et périlleux voyage. Incroyable. Tu ne l'écoutes même plus. De quoi donc? Il écoute rien. Direction Alent. Attends-nous, tu veux dire. Pap, pap. La musique s'est coupée. Quel sortilège. Bref, vous pouvez aller ici et enregistrer, mais c'est pas grand chose, voire même rien. Un animal mort. Aucun danger. Aucun danger. Sûrement mort de... Sûrement mort de soif, vraiment, à coup sûr. Alors explorons les lieux. Une fleur sauvage. Oh. Pas de secret dans le coin. Des plantes qui ne mangent pas. C'est bon signe, ça. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est qui fait du ukulélé à du banjo? Oh! Quelle magie est-ce! Des fleurs qui sautent! Des palmiers sauvages! De l'herbe! Herbe et puis! Et puis quoi? Non! C'est quoi? Deux actions! Peut servir! On va actuellement virer les vaccins! Je n'ai plus peur de la peste et du choléra. On s'en fout. Let's go, les drops sont à moi. Tout est à moi. Peut-on affronter cette merde? Cactus sauvage, où êtes-vous? Oh putain, ça n'a...
T'en auras plus la merde. Ça va te graisser comme ça, gratuitement. Bullshit. Où sommes-nous? Ce chemin a l'air d'être vachement grand. Putain de cactus, ça fait mal au moins. Un peu, ouais, mon neveu. Un peu que ça pique. Bon. Cet endroit était plutôt éloigné ici. What the? La puissance. Oh. Dégueulasse, on dirait un gros quelque chose. Attaque cette merde! La musique change! Nouveau CD! Nouvelle musique de bataille! Et ça, si, je l'adore! C'est quoi ça? Un Limacter! Un Pokémon de type tu vas mourir! Je prends mon temps pour que vous puissiez écouter la musique tranquillement! Bon, tapons dessus! Voyons voir! Est-ce vulnérable à la glace? Combo de deux! On va briser la glace! Un coup de hache! Est-ce suffisant? Il lance un spell! C'est quoi? Gaz! Poison! J'ai pas envie! Cancelle-le, Fina! Oh! Je t'attends! Oh! T'excites, ma fille! T'as pris de l'assurance? Pas contrer! Il attend! Trop tard, mon vieux! Ha! Goûte la puissance de la hache! Pokémon, zéro! Donne que dalle, on expect! Que dalle! Résistance au feu, en tout cas, ça se voit. À la glace, j'ai pas l'impression. Encore une fleur? C'est quoi? L'autre est utile, moins deux. Oh. Éclair, sort de foudre. C'est peut-être un indice, c'est que ces unités sont vulnérables à la foudre, apparemment, peut-être. Prenons ça. Je suis bloqué par ces feuillages. Les feuilles de confusion. Papier illusion aussi. Forme évoluée du crisacier, je crois. Un truc du genre, j'ai oublié. Et longtemps. Des mythes sympas. Ok, eh ben, on va voir ce qui brûle. C'est pas costaud. Ça suffira, ça? On va voir. Blaze, brightly, oh, flame. Brûle! Ignis t'entend. Non. Ouh, on a eu. Il en reste deux. Oh, trois sont cumulés. Quel cumul. Malheureusement. Pas encore. Pas sûr que ça marche. Bonne explosion. Finira le café. Est-ce vulnérable à ça? J'ai les trois. Descends quand même. Aussi descends. Du gâteau, les gars. Du gâteau. Piscoul. L'XP est ridicule. Mais on fait ce qu'on peut. Donc, avoir XP avant, au final, c'est plutôt intéressant. Et rentable. Mais intéressant. Ça, ça me mange, ça, hein. Petite saloperie. Ah, putain! Tout le monde m'attaque. C'est quoi cette merde? C'est la même chose que derrière le mur. Vous voulez vous faire mettre, hein? Pas vous voir. Bon. Les gars ont été infligés? À quelle hauteur? On va pas mourir! On ne mourra pas. Théoriquement. Ok. Pokémon! Mourez, Pokémon. Regarde le coin. Oh! Vous traversez ici? Oh putain, mais ils sont rapides! Près de l'enfer! C'est incroyable ça! Des titans ces mobs! Tu bouges ton cul, toi, non? Il bouge pas! Faisons le tour!
Technique 4-4-2. Oh. Technique d'argent. C'est une plante, ça. Cet endroit, je l'aime pas, cet endroit. J'espère que plus tard, ça sera beaucoup mieux. Oh, on doit aller là. Ok. Je vois. Mais là-bas, il y avait des choses. Comme cette pourriture. Ces créatures sont pas si solides qu'ils en ont l'air. Malgré leur imposante carapace. Où est-ce que je vais là? Nulle part, hein. Ok. Ouais. J'ai pas envie d'aller au milieu, mais. Oh, les gold ici. Un chemin là, un chemin plus en haut. D'accord. Je veux prendre ces gold. Et je les prends. Je pense que le chemin de droite ramène à l'endroit que tout à l'heure on a vu avec les papillons et compagnie. Mais peut-être pas. Alors dans le doute. Oh, come on, vraiment. C'est pas réaliste ça, hein. Juste là, moi. Bon bah, pourquoi pas. Prenons la fleur. Siffler. Oh, peut servir. Tiens non, y'a Guido qui est là, Guido. Enfoiré. Papillon à la con. Alors, papillon, méfiez-vous. Ils sont relativement dangereux, ils peuvent vous envoyer des pouvoirs de confusion sur la gueule. Différents spells. Des choses qui sont relativement chiantes et que vous voulez pas que ça arrive. Ok, alors. On a vu Guido. C'est fou ici. C'est une bonne question, elle dit qu'on se reverrait. Est-ce que c'est l'heure? Je le savais! Je le savais, goddammit! Où est-ce que je suis, moi? Je suis ici, en fait, hein! Au niveau. Jamais! Plus jamais! Et là-dedans, j'irai pas pour des raisons! Raisons normales, hein! Oh. J'en ai même pas dans le coin! Putain! Ce jeu linéaire! C'est incroyable! Même endroit, encore et toujours! Mourez, Pokémon! Ah! Quoi de neuf ici? Oh! C'est un piège, ça! Je le sens! Fuyez! C'est bon. Ouf! Qu'est-ce que. Ça va me bouffer, c'est sûr, ça! Et puis ça aussi! On se rapproche! Je le sens. Je le sens plus profond de moi-même! Je sens aussi les emmerdes! Je le savais! Oh. Il m'empêche de passer, hein! La nature se bat ensemble! Ils veulent me tuer! Putain! Ils vont y arriver, ces cons! Je veux ces sous! Sale petit! C'est à moi! Oh, ils me volent, ils veulent tous me tuer! Guido est là! Mais je peux aussi passer de l'autre côté! Oh, Seigneur Dieu! Ces plantes sont guidées par la main de Dieu! Quoi de beau ici? De la thune? Ça pour ça? Je suis violé par les plantes, juste pour de l'argent! J'ai plus de 100k de thunes! Bon, ils sont où? Ça va gueuler, je le sens. Sans ma gueule, hein. On est passé. Sans aucun souci. Régénérons-nous avant. On ne sait jamais quel mal peut arriver. Oh. Un nouveau pouvoir, moi? Qu'ai-je eu comme pouvoir? Ouais. Niveau 18. Nouveau pouvoir de feu. Excellent. Le reste, j'ai le temps. Il semblerait. 17. 17, 23 à l'épée. Ouais. Et toi, où es-tu? Ouais. Ouais. Rafraîchissement. Je sais pas c'est quoi. On a eu éclair dragon. Oh, ça c'est divinement puissant. Enfin, pouvoir de foudre pour Fina. Parfait. Bon. Guido. C'est frais. Comment il est au courant de ça aussi, ce con? C'est Guido. Un peu.
Ah, mais ça se souvient, quelle bonne mémoire. C'est vrai. Les carottes. Il peut te presser ce con. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me fourrer sa carotte? Jamais. Un groupe d'esprit, hein. Oh, il leur raconte. Esprit, es-tu là? À ce point-là? Non, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire quoi, en fait? Un rôle à jouer. Pour l'instant, je prends tout ce qui passe. Et je vais à Lent. On trouvera. Excellent. Oui. C'est où? You garbage, Guido. Merci de ton aide précieuse, Guido. Ouais. J'ai pas le choix. Je suis fou ici. Le trouver? Le trouver quoi? Ouais. Ouais. Impossible. Je n'en sais rien. Oui, quoi donc? Un bras mystérieux, toi, mon pote. J'ai pas le choix. Je continue toujours et je termine mes walkthroughs et mes let's play. Toujours! Sauf des fois, mais. Chut. Les jeux pourris, ça. Ok. Bon, on a pas le choix. Restons là alors. Cafou. Drôle de maison. Bon. Ouh, une grande ville. Excellent. Ouais. Quoi? Tu veux venir? C'est possible. Quoi, te payer les carottes? Oui, ces mecs adorent la thune. Oh, c'est une peine de m'émerger à ce point-là. Ouais, juste pour... Ouais. Ouais, bon... Où est le point de sauvegarde dans le coin? C'est obligé qu'il y en ait un! Obligé! Évitons ce truc-là. Pas confiance. La forêt étage numéro 2! Elle va attendre, car moi ici, je m'arrête! Merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine et bonne journée! Ah, ciao!